Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction Grand Format. Grand Format d'aujourd'hui, je suis vraiment très content parce que ça sera quelque chose de bon et j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Grand Format d'aujourd'hui, c'est une réaction sur toujours avec la sortie médiatique de Katumbi, nous nous traînons là-dessus. Nous allons parler. Au fait, je vais répondre à vos multiples questions et multiples commentaires sur la réaction que nous avions réalisée dernièrement. Donc, c'est-à-dire il y a deux ou trois jours où nous avions parlé de la sortie médiatique de Katumbi. Vous aviez été nombreux à me poser des questions et à dire que je suis katumbiste, je soutiens Katumbi. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Pourquoi? Nous allons en parler. Aujourd'hui, je viens justement répondre à tout le monde qui m'a posé ces questions. Pourquoi est-ce que j'ai dit que Katumbi était un candidat valable président de la République, démocratique du Congo? Pourquoi? Je vais vous le dire aujourd'hui dans cette émission. C'est là qui m'a poussé vraiment à essayer un peu d'apporter la lumière sur ce que j'ai dit. Nous allons en parler. Et le deuxième sujet comportera justement réunion où le cadre de concertation que Kadima a appelé les ténors ou bien les candidats présidents de la République à se concerter. Donc, dans ce cadre de concertation où on a retrouvé le président de la République actuel, Fatshi, et puis on a vu tous les autres candidats, Martin Fayoulou, étaient absents à cette assemblée. C'était Monsieur Moïse Katumbi en personne, n'était pas là, il était représenté par ce représentant. Et puis, il y avait le docteur Denis Mukwege aussi qui était absent. Ils ont essayé un peu de justifier leurs absences, mais la conférence ou bien le cadre a eu lieu et ils devaient y sortir des signatures dans ce qu'ils appellent les codes de bonne conduite. Donc, nous allons parler de ces deux grands sujets. Et voilà un peu qui est la monture de notre émission d'aujourd'hui, ce qui va nous réunir. Et là, beaucoup plus, j'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin. Mais avant cela, je vais vous demander une chose, mes chers amis. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, vous qui me suivez beaucoup, vous qui aimez ouvrir mes vidéos, mais vous n'êtes pas encore abonnés, faites-moi quand même plaisir de vous abonner, s'il vous plaît. Pourquoi je vais vous dire du faut que vous abonnez à cette chaîne? Quand vous vous abonnez et que vous partagez nos émissions, ça augmente la visibilité de nos émissions. Et c'est là que je pense que votre apport pour me soutenir dans ce travail que nous faisons. C'est seulement ça. Et le koana kaka, on s'abonne. Kolanda akarangai naza kolobaloba awa. Moi, je suis content. Pourquoi? Parce que je ne parle pas dans le désert. Et c'est le fait maintenant aujourd'hui, je vous montre que je vais répondre justement à beaucoup de commentaires, à beaucoup de vos inquiétudes sur l'émission passée. Pourquoi? Parce que nalandaka na lingaka na yeba nini yango bokanisi lingai. Qu'est-ce que vous pensez de ce que moi je dis? Je ne veux pas faire le monologue parce que je sais que j'ai une audience. Et pour vous manifester, ce qui va se manifester, attends, tiens-moi like, attends, tiens boy. Et puis ça a impression effectivement que je suis en train de parler à une certaine audience. C'est pour cela, avant que tu continues, bon s'abonner nan. Et puis appuyer na moi ngonga wana ya notification pour que tant on a côté à l'émission mususu osa la notifier au manqué à ta émission mon côté. Je remarque aussi que beaucoup de gens regardent mes émissions passées, c'est bien pour essayer un peu de comprendre d'où je viens et là où je suis en train de partir. Au ebi na contact pro live, nous faisons les analyses, nous apportons les solutions que nous pensons, et c'est la solution là, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. On occupe qu'on a une émission mon côté et puis au canisso y habite. C'est comme cela que na sepela kata ou na monaka, ba vie à ba émission passée et ça augmenté. C'est-à-dire que vous essayez un peu de me comprendre. Et donc, ils ont avantage na yo, soit qu'on s'abonne et puis au fini cloche à notification. Ils ont des
sa porte na o nga na zo luketa na bino parce que ma solo na biso to banda ko solo la. Alors aujourd'hui mes chers amis, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai dit que Katumbi est un candidat valable na magistrature suprême ya mboka na biso. Moi je suis convaincu et je le répète encore que Katumbi est valable. Pourquoi? Je vais le détailler dans quatre points. Le premier point, d'abord, Katumbi ne sort pas de nulle part. C'est quelqu'un qui a connu, c'est quelqu'un qui a l'expérience, qui est connu d'abord dans le milieu de l'opposition, dans le milieu politique. Et le président actuel l'a affirmé à l'Obela Yango. Katumbi ne vient pas de nulle part. Il vient de quelque part et il est connu dans le milieu politique. C'est un politicien congolais. Il a participé à beaucoup de choses. Il a fait la lutte. Azalaki na Kabila, s'est disloqué na Kabila pour des raisons qu'il a expliquées. Et alors, nana kopé sabino kaka, raison. Et puis je vais vous détailler pourquoi cette attitude qu'il a opté dans sa dernière sortie. Ça c'est le premier point. C'est quelqu'un, un homme, un Congolais qui est connu dans le milieu politique. Ça c'est de un. De deux, Katumbi a fait des actions allant dans le sens de résoudre les problèmes des Congolais. Des actions concrètes. Ayoki ba compatriotes na ye bazana bazako souffrir de sa poche à Salisi. Katumbi, c'est un homme d'affaires. Ça c'est de deux aussi dans le point 2. C'est un homme d'affaires. Ce n'est pas un parvenu. Ce n'est pas que quelqu'un qui viendra à la tête de notre pays pour s'enrichir. Ça, c'est, il faut déjà l'écarter. Par ses actions elles-mêmes, nous voyons. Et il intervient par-ci, par-là, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les actions que Katumbi fait, ces actions-là parlent d'elles-mêmes, défend Katumbi. Ça montre la volonté d'un homme qui a le souci de ce pays, qui a la volonté yako sali sabato. C'est un homme, moi je pense que c'est un homme qui pense à sa population. Katumbi n'est pas égoïste. Donc Katumbi viendra à la magistrature suprême, pas pour s'enrichir comme font les autres, mais il viendra justement servir. Et il prend cette opportunité, il a combattu, il voulait l'être en 2018, aux élections de 2018, mais malheureusement il a été empêché parce qu'il était dans l'opposition, il luttait avec les Congolais, comme Congolais, pour Makambo Bongo Mboka Oyo. Voilà encore le deuxième point. Donc, Oezako appuyé Nana Lobakeno, Katumbi, Aza, valable candidat, Otowiko accepté, que Asale Lana Mboka Oyo, à mettre Sikoyo, ba expérience Oyo, tant Wazalaki gouverneur à Katanga, à mettre en haut, na niveau national. Tomona ki comportement à Katumbi, tant Wazalaka gouverneur. Nous n'avons pas entendu de détournement na Katanga kuna ba détournement ils allaient quitter. Il a été même considéré comme un modèle yaba gouverneur et étant un exemple à suivre dans d'autres provinces pour na ko gouverner mboka wana province wana. Il a été l'exemple. Voilà le troisième point que je dis que pourquoi Katumbi est valable candidat. Quatrième point, Bandeko. Ma programme est belé, disons, ma action est belé que Katumbi a ça là. Il s'est expliqué. Un homme généré, un homme conciliateur, un homme qui ne veut pas évoluer seul dans le monde politique. Il l'a montré par Yakoloba. Même si je suis ce que je suis comme Katumbi, mais j'ai besoin aussi des autres. C'est comme cela au Koyoka qui a même ouvert la candidature commune. Quand il était dans l'opposition, il a été encore ouvert dans la candidature commune. Azala a participé à Banani Nyoso,
ba concertation no nyoso pona ko trouver candidature commune na deuxième na 2018 bazwa ki mokano po batia matenane Fayulu comme candidat commun. Il était là, il a soutenu ça, il a soutenu nenge pe kendaki Katumbi n'a pas gardé un rancœur. Azala ki na nani te tangu makambo kei Félix a komi kozwa ba problème. Il est venu encore à la ressource de Kabila de Félix. Tangu Félix a créé Union Sacrée, Katumbi s'est présenté à l'obito a kosali saonine. Mais voici les conditions. Bayo kana kite, ils ont acheminé jusqu'à ce que balongwe na Union Sacrée wana. Vous voyez maintenant que la disponibilité de l'homme à mettre son expérience, nambongo na yena tous ses moyens au service de notre État, c'est quelque chose déjà qui le met déjà en tout cas en position ya cause à la présidente de la République Nabiso. Et là comme sousou, ezali programme o ya ezali ko soutenir o ya alakisi awa. Batunaye batangela ki biso programme naye, ils nous ont expliqué ba quatre piliers na bango. Ba la kisi ke non na ba programme na bango nenge ba koyi ko sale la mboka o volonté wana ya ko silisa kimoyibi ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko bongisa mboka oyo ezali na kati ya programme na bango tango ba explique ngo na kanisa ki ngai na mona ki ke baza ba promesse mingi te. C'est un homme de parole. Donc Katumbi aussi dans ses qualités, c'est un homme de parole. Makamu nyoso abandaka asili sakayango. Ce qui a la kibino kazo tongela bino école a kosala yango. Bota la ba université a tongi université Katumba manke na kote a katanga kuna. Il a commencé, il a fini. Kote a ba hôpital kutunde kolobate. Il a commencé, il a fini. Ye azali, c'est comme si na nani na ye, na aden na ye, abandaka elo kote po asili sango te. Abandaka yango et po asili saka yango. C'est cette volonté là que moi, après ba analyse wana, na mona kike, vraiment il fallait azal. Ce qui soutient, c'est que Frank Diongo abandai koloba lobi. Na mutema o Katumbi azana ango, bandeko azat un homme très très dangereux et qu'il faut toujours faire de votre mieux de l'avoir dans son camp. Mutuona agoiko salisa parce que aza disponible mais pourvu que botambola na elongo. C'est ça donc que nous moi réponse ya wana na okiko ebisabino que moi je suis vraiment convaincu si on donnait Katumbi la chance de diriger ce pays, je pense que les Congolais ne le regretteront pas. Naza awa te pona sa la campagne naza awa parce que na abimaki na sortie médiatique na ye. Abimaki parce que il a c'est comme si c'était un homme qui en avait marre des critiques négatives sur sa personne. Il venait justement répondre na babiloko onyoso botala balinga ba freiner candidature na ye, on dit que c'est un étranger tout ça babiloko belé lobami lobami oh tout ça ah boyaza ndundu oh tout ça il a été oh azala ka italien nationalité na ye. Je crois que il en avait marre et il cherchait cette opportunité et a joué cette opportunité on a y a quoi éclairer babilo konyo surtout a dimisi ba passeport na kon la kisalo kuta mingi oyo eza sur sa personne. Et c'est pour cela que je me disais cet homme si on lui donnait la chance de sortir de ce qu'il a pour ce pays, je crois que nous ne le regretterons pas. Voilà un peu ma réponse sur ce que vous aviez demandé à ce que pourquoi après si on bongo. Je vous rappelle encore une fois de plus, cette émission c'est une émission qui n'a jamais été soutenue par n'importe et ça volonté. Moi je me dis c'est ça ma pierre pour la reconstruction du pays, pour éveiller la conscience. Nazam Katumbi a futingate. Katumbi a futingate, cette émission n'est ni sponsorisée par qui que ce soit. Ezaka Kabino. Et parfois lorsque vous me soutenez, vous voulez à ce que je ne prononce même pas vos noms. Mais sachez que il y a parmi vous les abonnés qui sont ici, ezana batu ba soutenir kangaye. Je ne peux pas mâcher ce mot ici parce que bah, toi, on a même tout peu de courage à continuer parce que ce que je dis a un sens. Et c'est pour cela que, bien, on va continuer à s'abonner, on va trouver quelque chose
oyo egoyi kozala constructif na kati ya émission oyo donc to terre nano eloko wana koloba ke oyo no na zuye mbongo akatumbi yango wana na lobeli e tout ça naza koyebisa bino ke nous irons même dans d'autres la prochaine fois nous irons na programme ya matata parce que na silisi kotanga programme ya matata na silisi kotanga programme ya Delice Sanga na silisi kotanga programme ya Denis Mukwege. Batwebele na silisi ba kokotanga ba programme na bango mais maintenant je suis en train de voir comment est-ce que na kati ya ba élection nous allons parler candidat par candidat et c'est pour cela que ndenge sorti médiatique ya Katumbi Bimaki c'était une opportunité pour que moi j'analyse et je puisse vous donner mon point de vue sur sa personne pour diriger ce pays. Voilà, je crois que ce débat là vous pouvez commenter mais on a des points de vue na ngai on a wiko la kisakeno vraiment Katumbi c'est quelqu'un qu'il faut faire confiance, ceux qui m'ont voté à vous, parce que le dernier mot, c'est qu'on tendait pas Nabino. Voilà. Bandeko, passons maintenant au deuxième sujet. Oyo, il y a concertation, cadre à concertation que s'est mis à Sangisa qui est candidat à la présidence de la République. Moi, ce qui m'a attiré comme intérêt, na mona ki intérêt, on a, ezala ki kokuta ni sabatu, ba solola. Et la photo du jour qui a été vraiment la vedette, c'est celle où Martin Fayulu a serré la main à Fatih Béton. En tout cas, si Fatih pouvait comprendre que Akokaiko Bongisa Makambu, Yamboka Oyo, depuis 2019, c'était s'il voulait vraiment être frère avec Toti Kananu. Au moins, Fatih, moi, je pense que. A kota ki na nani na ambiance moko boeti a diaboliser même batu. A komi pe ko finga batu. Bien sûr, c'était pour que asseoir pendant le pouvoir na e. Mais sachez qu'une chose, le pouvoir dans ce pays n'appartiendra pas à une seule personne. Pouvoir na mboka oyo e ko appartenir na mutu moko te. C'est ça que je dis. Nous tous mon côté, même dans l'histoire de Katumbi, parce qu'il y a aussi le revers de médaille. Oh, na bosana. Excusez-moi, na zongé lango parce que la ligne na tika yango. Revers à médaille. Excusez-moi, na en tout cas na cadre y a ba élection. Oh, y a parti. Oh, na tiana nous parenthèse. Na zongé la likambo à Katumbi parce qu'il y a aussi un revers de médaille. Mais revers de médaille, wana zanini. Ezali que tout tika makambo ko déifier batu. Katumbi lui seul, il ne pourra pas changer ce pays. Mais entouré justement de la crème, je suis content car lorsque j'ai entendu parler Francis Kalombo à l'obéli Makambo à côté le misa l'État, Wanande Mokua, il ne faut pas que vous venez, vous nous construisez les maisons et pour construire Babylon, quand nous sommes tous sali ba œuvre, nous sommes tous place Babylon, quand nous sommes tous les wapi. On dit que Katumbi azana ba business azana ba biloko belé mais il faut que ça se justifie. Oh Katumbi a investi à grand a investi biloko na tokomi koyoka yango lelo. Mais Katumbi est un Congolais, qu'est-ce qu'il a mbongo na ezo utawapi? To lingite mutu abanda ko pesa biso ba mbongo o to ebi place ezo utate. Tant muso ateka kimboka na biso sikwa komi ko pesa biso ba miette. C'est ainsi que moi j'ai dit, pour que Elokwane Simba, il faut que l'État ait les mains. Et Katumbi ne devra pas être atikalaona comme Dieu. Il faut qu'il fasse un effort à faire fonctionner l'État et que c'est ça que ce soit ça le pilier pour Yamakasike. Ensemble babunda nango pour que mboka oyo ezala te ke non toza na Dieu moko boyo toza na homme fort moko boyo parce que c'est Katumbi qui est à la tête du pouvoir et le jour où il ne sera pas là tokozonga na se il faut qu'on reconstruise mboka oyo de façon que ata toza na bozuye belete mais toye ba bozuye onda mutoza ko utiliser ngo comment tozo tonga po na biso ndenge nini mbongo na biso tozo bimsa ngo wapi ezo kende wapi tozo sala na ngo nini. Et au lieu de te kamboka, mutu moko bandi ko koloba na kotongela bino ba hôpital. Pendant cela, musa les athées, les thèses au salaté, makamunozo, wana nde toza ko éviter. Voilà le revers de la médaille que moi je disais que na ki na bosa na dipona na dossier à Katumbi wana.
Parce que ça aussi, c'est très très important. Il faut que ce qui l'état n'a pas fonctionné, il faut que tout ça la justice dans le cannabis. Alors, la kangi parenthèse, wana, je crois que je reviendrai encore c'est sur ce dossier-là, tant que Katumbi a koleka na émission Oyo, il y a Christian Bosenda a tiré, on a défendre, à répondre à la question à la journaliste. Après cela, je crois que nous ferons l'émission pour que tout le Kasikoyo, Naye Bisabino, et pour que nous puissions faire un peu de temps, nous puissions faire un peu de temps, et nous puissions faire un peu de temps. Azwa comme président ou bien à la tête de la magistrature à la suprême Nabiso. Voilà. Donc, cadre à concertation, moi je disais que, et loko oyo, et zala ki bien, on a sepe la ki nango, et zabo koutani sinanou, yaba, leader Nabiso Mibale, Fayoulou na Tshisekedi. Bah, c'est ça, y a des accolades, bah, sepe li, bah, mais qu'est-ce que la CENI est en train de nous présenter, bande konangaï? Cadre à concertation, oh, on a bandé déjà comment on a un gros bateau, on va zalaka en Pretoria, tant que Funani Kadimazoa a expliqué Bisso. Il a évité beaucoup de choses. On a posé des questions qui n'avaient pas trouvé de réponse. Jusqu'aujourd'hui, Kadima ne répond jamais à ce qu'on lui reproche. À s'imposer à Kaka. Il est venu nous exposer ici, calendrier, tout ça. Mais les questions que nous lui posions pour qu'il puisse trouver des solutions. C'est, il y a moins de concertation. C'est comme si c'est la même chose. Vous aviez entendu Fayoulou parler que non, nous ne sommes pas des enfants ici. Fayoulou a bien parlé. On a évoqué des histoires qui ne marchent pas. Kadima devrait dire en bon, ça ne marche pas. Voilà, nous allons y remédier. Non! Kadima s'est comporté en militant encore une fois de plus, étant à la tête de la CENI, à se comporter comme militant en réponse à Pesaki Fayoulou. À l'obi que non, bino discours na yo na za politique, allez suivre. Ba image on za ko circuler. Et c'est ça qui a fait le bémol de cette émission, de cette histoire-là. Le président lui-même, président Fatih lui-même, s'est plaint. Il y a Makambo za ko sale manaseni. Biloko nyonso a CENI ezali flou. Il n'y a pas une certaine cohérence dans tout ce que la CENI est en train de faire. Cohérence moko ezali te. Okotala par exemple, litile lo oyo à moins de 40 jours des élections, toyebina noté toko voté wapi. Les listes ne sont pas affichées et Kadima ne veut pas voir ça. Kadima zolinga komona wana te azolinga te ke alo ba erreur ezali non. Si erreur est ali, batu bakoyeba que non, en tout cas moyen qu'on organise ba élection aux ezalité, to comprendre bo excusez ngai to sala boye likambo ba carte. Le président lui-même l'a dit. On avait diabolisé Fabien Kusanika ici en disant que non type wana boye. Le président lui-même lui donne raison maintenant. Tozo kende wapi bandeko. Moi je pense que c'était un flop. Et puis Delice Sanga dit bien que biso toko signé lo kwanate, mais toko kende quand même na ba élection. Il y a des gens qui ont refusé d'adhérer na kati ya ba élection, makamba ba élection wana. Qu'est-ce qu'il prépare? Na simanango koboya, oyebi eloko nini ezali na simanango bango baza ko préparer. Denise Sanga a été clair dans cette histoire-là. Bandeko, qu'est-ce qu'il faut? Parce que, Bisso Awana Contact Pro Live, nous disons ceci. Nous ne venons pas ici pour pérorer tout simplement et que Toti Kabino Kakaboué, sans que nous proposions quelque chose qui peut être fait. Si Likambo Aseni, moi je pense que, à moins de 40 jours, même, en tout cas, Kadima ne rassure pas. Tous les lampions sont en rouge pour qu'il y ait une élection capotée, donc un truc qui se ressemblera aux élections, mais qui ne sera pas des élections. Tous les lampions sont en rouge. Lorsqu'on a une réorganisation d'abord et à l'antenne, à l'obaki que la liste qu'on a publiée dans le site Aseni, jusque maintenant, site Aseni, et Zola qui s'est là, comme mon côté,
Donc, on ne parvient même pas à accéder à la liste ou à la combo. Même dans les antennes où il avait dit que non, il n'y avait pas de consulter, il n'y avait pas de petit combo, comme ça, il n'y avait pas de la natel. Et ça, ça, les maté. Et il ne donne pas aucun signe à Koloba que non, il y a des erreurs. Regardez comment il a répondu à Fayulu. Alors, il dit que non, voilà, ils ont osé ça, la discours politique, tout ça, moi je n'accepte pas, il faudrait. Oh, bah, comment, tout ça. On parle des histoires qui ne sont pas compréhensibles. Bandeko, tozo kende wapi. Alors, nous pensons ceci. Kadima doit se rétracter d'abord à Yakondima, que non, Baere Reza et Bele. Oh, et que ça, la Keno, et que les autres rassurent la partie prenante à l'élection OET. Il faut qu'elle quitte le bas. Mais maintenant, travaillons ensemble maintenant pour y remédier. Voici le fichier électoral. Bandeko, Bakoko Soboende Toza Kokuta Nanayo. Est-ce que c'est un problème au niveau informatique? Est-ce que c'est un problème au niveau humain? Ce problème est à Kouta Wapi pour que Batuba Bandaro Kendeko Somba Bab Duplicata ou bien Batuba Duplicata et Zakozala, mais Batuba Zakomo et comme il est comme il est un enrôlement Moussousou. Les gens de nom ne sont pas répertoriés, bah, tout osoye, bah, tel, konine. Moi, je crois que c'est ça la solution que l'attitude d'Akadima devrait adopter maintenant pour rassurer les autres qu'il est aussi en train de les écouter. Lui, il connaît tout. Il est à Yébignon, son bateau, baza, koloba, baza, ba, idiot, baza, ba, tout moko, ba, Yébignon, loko, mon côté, ce qu'ils disent, ce sont des mensonges. Parce que Balingui était tout ça, Kadima n'affiche aucun signe à Koloba Keno, signe Oyo, et ça qui quand même, Naza Yoka Makambo, Boza Koloba, voici Ndenge Tosali solution, Oto Bamezi, Oto Tosali Boy. Il ne fait pas ça. Donc la solution est entre les mains de Kadima, pour l'instant. Voilà, mes chers amis, là où nous allons nous arrêter aujourd'hui, en espérant que. Batua Katumbe Bele, Oyo Batua Tuna Kingai, Batua Bino, Tuna Kinga Bozui, quand même, réponse, Naba commentaire Nabino. Mais je vous promets que lorsque Katumbi s'exprimera devant les journalistes, après cela, nous viendrons aussi encore avec nos analyses et surtout le revers de la médaille. Pourquoi nous devons choisir Katumbi? Ça sera encore abordé dans cette émission-là. Donc, merci beaucoup encore une fois de plus pour tous ceux qui sont en train de me faire confiance. Na sepeli ya mingi, na zotala, comment est-ce que Batubaza ko s'abonner? Abonnez-vous encore beaucoup plus davantage. Ce qui vous a partagé ma émission, ça bien que Batumsusu, oh bah yo kaka d'aide, oh te à rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Bah s'abonner et puis idée wana ekende pour que notre État puisse être reconstruit. Nous devons passer l'État au-dessus de tous les hommes. Les hommes passeront, mais l'État congolais restera. Nous allons laisser ce pays dans le main de qui? Parce que Tokolo yad. Et ce qui tokei mboke koufi, Mobutu akendaki mboke zali kaka. Kabila kei, le père mboke zali kaka. Kabila le fils parti mboke zali kaka. Tamsoupe tiseke de okende mboke kozala kaka. Mais quelle est la quel est l'héritage que nous faisons, nous laissons à notre pays? Il y a véhiculé ba idéo, il y a rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Nous l'expliquons tous les jours. En tout cas, merci beaucoup. Ceux qui vous allez qui vous abonnez, abonnez-vous. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.